Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de BBS. Aujourd'hui, c'est du Burn the Witch. Mais avant de commencer, je sais, à chaque fois je dis que c'est le dernier épisode de BBS. Bon, on va dire que je vais continuer à en tourner quand l'envie me prendra. Là, actuellement, voilà, j'ai pris de l'avance dessus, donc vous avez eu 4, je crois, 4 épisodes à la suite. Avec celui-là, 4 épisodes, enfin voilà. Et il y a du nouveau comparé à ce que je vous ai dit à la vidéo précédente. Actuellement, sur Firestorm, au moment où je tourne, la bêta fermée va commencer de Dragonflight. À chaque fois, je confonds toujours entre Dragonflight et Dragon Wings. Là, c'est Dragonflight. Voilà, ça s'appelle Dragonflight. C'est vol de dragon, c'est pas les ailes de dragon. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est pas grave, ça c'est mon cerveau, je me bats avec. Je veux dire, oui, donc c'est une bêta fermée qui va commencer là au moment où je tourne. Elle va commencer dans 6 jours. Mais c'est une bêta fermée, je ne suis pas invité. Même si je l'avais été, j'aurais peut-être pas été disponible de toute façon pour participer à la bêta, pour reporter des bugs et tout, donc. Je suis pas invité et dans un sens, c'est pas grave, j'aurais pas eu le temps si c'était le contraire. Ou alors peut-être que je suis invité et que j'ai pas vu l'invitation dans ma boîte mail, hein, c'est possible aussi. Hein. C'est pas possible. Enfin, c'est pas impossible. Enfin bon. Donc voilà, c'est pour vous dire que d'ici quelques mois, World of Warcraft reviendra sur la chaîne quand la bêta sera terminée, que tout sera parfaitement implémenté. Que tous les bugs auront été remontés, corrigés, et on fera du coup Dragonflight, donc la dernière extension de World of Warcraft, sur ma chaîne YouTube. Ce sera tourné, ce sera toujours en série longue le samedi, voilà. En attendant, je n'ai plus de contenu le samedi. Là, il y a quelques épisodes de BBS, mais très vite, on rattrape le cours du temps, j'ai envie de dire. Du coup, je vous annonce que là, il va y avoir une série de... 2-2-2, que je vous dise pas de bêtises, je sais jamais combien il y a d'épisodes de prévu. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Mince. Non, oui, c'est pas dans ce dossier, c'est dans l'autre. Tac, 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 tac. Celui-là, il y aura 32 épisodes, c'est ça. Donc je vous annonce qu'il y a une série de 32 épisodes qui va prendre effet là, dès la semaine prochaine. Sur ma chaîne, une série, je vous spoil pas le nom, mais ça va vous plaire. Ça va vous plaire. C'est un jeu. Je vais vous donner quelques indices quand même. C'est un jeu que j'ai longtemps fait sur ma chaîne. Très longtemps. Que j'ai abandonné. Allez, je vais vous donner un indice supplémentaire. Que j'ai abandonné du jour au lendemain en 2016. Je reviens dessus. Et je fais une série de 32 épisodes dessus. Donc, tous les samedis, à partir de 9h, vous allez pouvoir retrouver mes aventures, du coup, sur ce jeu que je retrouve, que j'ai galéré, mais j'ai repris quand même plaisir à reprendre. Vous avez tous deviné, à mon avis, de quel jeu il s'agit. Voilà. Donc, je vous annonce que cette série commence dès la semaine prochaine. Et j'espère que ça vous plaira. Et après ces 32 semaines, du coup, parce que 32 épisodes égale 32 semaines, donc ça laissera à peu près un peu plus de 6 mois, on va dire, de contenu. Et ben Dragonflight sera certainement sorti soit en bêta ouverte, soit carrément pour tous les joueurs, et on pourra migrer dessus. J'y migrerai certainement avec ma compagne, parce que ma compagne est en train de passer niveau 60 dans Shadowlands. Il est possible du coup qu'on tourne ensemble dans Dragonflight, ce qui pourrait être sympa. Donc elle joue une chasseresse, sa classe c'est chasseuse. Elfe de sang, chasseuse, voilà. Bref, ça c'est pour toute autre chose. Je vais. Voilà, on va pas non plus rester trop longtemps dessus. Voilà, mais je vous annonce aussi que BBS du coup va être surtout des épisodes pour vous donner des nouvelles. Pour vous donner des nouvelles de la chaîne. Ça va plus devenir ça, des prétextes en fait
de news de la chaîne. Quand vous verrez une vidéo de BBS apparaître, maintenant, attendez-vous plutôt à avoir des nouvelles de la chaîne avant de commencer la petite aventure. Voilà, 5 minutes, voilà. Hop, ça a duré 5 minutes, mon petit speech, là. Donc la grande nouvelle, c'est voilà, un BBS va s'estomper de plus en plus. Une nouvelle série va prendre le relais le samedi pour 32 semaines. Il y aura toujours une vidéo le mercredi, hein, le mercredi à 9h, il y a toujours une vidéo, ça ne change pas. C'est juste que les séries tournent. En décembre d'ailleurs, il y aura les 4 semaines de décembre, il y aura une série, une mini-série de 4 épisodes qui devrait vous plaire. Et le mois de janvier, pareil, il y aura 4 épisodes de la suite, donc de... Voilà, vous allez avoir 2-3 trucs, je ne vais pas vous spoiler toutes les séries. Je vous rappelle que si vous voulez la liste des séries, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire, vous pouvez donner sur mon Tipeee et dès 1€, vous aurez la liste des prochains Let's Play qui sont prévus sur ma chaîne. Si vous voulez vous spoiler, la liste des Let's Play que je vais faire, qui sont prévus. Et les dates sont pas forcément prévues, mais voilà, c'est dans... Je dis juste que c'est dans les tuyaux, et les dates, je les annonce après dans des posts. Sur Tipeee, voilà, des... S'il commence à y avoir quelques tipeurs, je vais m'investir là-dedans. À faire quelques posts Tipeee. Pour vous informer, voilà. Mais là, pour le moment, j'ai toujours 0 donateur. De nos Tipeee, s'il vous plaît. Bref, QG des Wingblind. Pardon. Bon boulot aujourd'hui. Merci les filles. Tiens, il n'y a que toi, Balgo. Et oui, Nini et Noël sont au travail. Et Massy a dit qu'elle allait faire des courses, je crois. Du coup, Sushi et moi, on garde la boutique. Hein, mon coco. Waf. Et oui, Noël et Nini sont toujours aussi occupés. Si on pouvait faire quelque chose, nous aussi. Mais ça tombe très bien, j'ai une mission exceptionnelle pour toi, mon petit Balgo. Ah bon ? C'est quelque chose qui revient chaque année, vois-tu. On prend des photos pour les affiches publicitaires du magasin de kimono. Ça te dirait de jouer les mannequins ? Moi, vous êtes sûr ? Mais oui, on m'a spécialement demandé de vous le proposer. L'année dernière, c'est Bang Nif qui avait été choisi. Tiens, regarde, le voilà en tenue. Le type qui fait peur. Ah oui, on a déjà vu cette image. Un parapluie parfait, ça le fait. D'accord. Est-ce qu'il y a cette image ? La classe et parapluie ne sont pas comme ceux de chez nous. C'est ça l'esprit du kimono. Oui, hein, c'est bien. Hein. Leur campagne a bien marché l'an dernier, mais là, ils veulent élargir encore plus leur clientèle. Quand je leur ai parlé de toi, de Sushi et de Massy, ils ont insisté pour que vous soyez les modèles. Sans blague, Sushi aussi. Il se passe quoi encore? Ça piaille par ici. Nous revoilà. Il s'est passé quelque chose. Vous tombez bien, figurez-vous que... Bon. Il reprend son speech, hein, du coup. Du coup, kimono, ok, bon bah ça va être... Je suis pas Burnt the Witch, je sais pas si du coup les épisodes sortent au fur et à mesure. Je vais jeter un oeil. Je vais jeter un oeil en même temps. Non, il y a que le film. Je vois que le film, moi, donc je vois pas d'épisode. Je regardais. Burn the Witch. Non, non, il n'y a pas d'autres animés qui sont sortis, donc à mon avis, c'est juste inspiré du manga papier.
Parce que en animé, je vois rien en tout cas. Mannequin, moi, j'étais déjà chanteuse, alors me mettre en scène comme ça, je ne sais pas. Personne ne vous force, hein, mais on a déjà reçu les vêtements, alors ça ne coûte rien de les essayer. Vous donnerez votre réponse après, pas de souci. Bah, si les tenues sont là, autant essayer, non? Si tu insistes, Nina, soit. Mais dans ce cas, je préférerais qu'on le fasse ensemble et. Ah non, sans moi, je me fais déjà exploiter au boulot, alors vous pouvez toujours pourrir pour que je me tape ce genre de corvée. Wouah, je suis sûr que t'es mignon en kimono, Nini. Par contre, ce sont des tenues japonaises, c'est bien ça. Du coup, toi, tu devrais le faire, Nia. Donc, c'est Noël, hein. Noël en kimono, elle doit être à croquer. Je veux voir, je demande à voir, j'exige de voir. On arrête de s'exciter, Balgo, allez, va vite te changer. Alors oui, je suis des tickets à plus savoir quoi en faire, mais si je les prenais pas hier soir, ils allaient disparaître. Je les avais depuis presque plus de 30 jours dans ma réserve, et donc fallait que je les prenne. C'est bon, vous avez fini de vous changer, sortez quoi. Elle est mignonne, merci comme ça. Voilà, alors je suis comment? Ça te va comme un gant. Oui, c'est ravissant. Ouais, ça passe. C'est vrai, Nina me trouve bien, fantastique. C'est ça, c'est ça. Troumimi, qu'est-ce que t'es craquant, sushi? Encore plus qu'hier et moins que demain, hein. Non, attends, sushi, stop. Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie? その程度ですか。その程度ですか。紅姫。その程度ですか。すっごいな。 Tu fais quoi encore? Ben, Sushi est sorti en courant comme ça et. Tout va bien. Oui, Noël, merci. Mais regardez plutôt, qu'est-ce que vous en dites? Tu es très mignon comme ça, Sushi. Regarde, tu as même un petit chapeau. Parfois. C'est vrai, non mais vraiment, Sushi, c'est le plus mignon de l'univers, c'est tout. Lui, par contre, son kimono, ça fait un peu chelou, je trouve. Au-delà de l'univers même, un nouveau Big Bang, une supernova. Oui, wow, doucement les superlatifs, Balgo. Quand les gens verront ça, ils voudront tous lui ressembler. Non. Quelle publicité, ça va cartonner. Et ça te va bien aussi, Balgo. Oula, alors là, il va plus sortir pisser. C'est vrai, ça me fait plaisir que tu dises ça. En fait, il y a quelque chose. Non, ça va encore. Il y a quelque chose d'écrit dans le dos. C'est quoi, juste? Ce sont des kanji, il signifie sushi. Apparemment, une petite touche que les gens du magasin ont décidé d'ajouter quand ils ont entendu parler de sushi. Tu veux dire qu'il y a des habits à son nom? Non, crétin. Enfin, des sushis. Tiens, en plus, j'ai mangé dans un wok il y a pas longtemps. J'en ai pris. C'est bon, les sushis. Enfin, moi, j'aime bien ces sushis
Saumon et riz. J'adore ça. Avec un petit citron dessus. Un régal. Tu entends mon petit coco, c'est ton nom. Grrr. Sushi est à croquer. Ouais, bah oui, c'est un peu le but. Enfin, même si ça croque pas, ça fond. Mais bon. Ça, on le sait. Et je suis content qu'on soit assorti. Mais moi, jouer les mannequins, vous croyez que ça passe? Ils ont préparé des fringues exprès pour vous. Alors, la réponse me paraît évidente. Voilà exactement, la demande s'adresse à vous. Ah bon? Et toi, tu veux participer? Je vais réfléchir encore un peu. On va le faire. ああ、危なかったっすね。Ouais, je devrais peut-être changer d'équipe pour une équipe un peu plus puissante. Pour gagner du temps, mais bon. Quelques jours plus tard. Je suis désolé, mais je ne vais pas faire le mannequin pour cette campagne publicitaire. Le costume était très beau et Nina a dit que j'étais belle dedans, mais au final, je ne pense pas que. Oh, c'est vrai, bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je m'occupe de transmettre le message, ne t'en fais pas. Je suis sûr que Balgo et Sushi mettront les bouchées doubles pour compenser. Claire. On va montrer à tout le monde combien tu es à croquer, Sushi. Hein, mon coco, tu vas. Putain, c'est sûr, non. On va donner tout ce qu'on a comme des champions. Ouf. Je vais démarrer. Enihime! Ça fait penser, on l'a pas Balgo en personnage. En personnage joueur, on a Noël et Nini, mais il me semble pas que Balgo on l'ait en perso. Quelques semaines plus tard. Salut la compagnie, l'affiche pour laquelle vous avez posé l'autre fois, vous savez, elle est prête. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que ça donne? Allez, montrez-nous. C'est stylé. Ça va, c'est la classe. Enfin, il y a la capuche, peut-être pas, mais bon. Tromimi, regarde Sushi, regarde, tu es tellement mignon là-dessus que c'est comme une déferlante de douceur qu'on se prend en pleine figure. C'est quoi cette histoire? Je me souviens que tu étais remonté à bloc, mais au final, on ne te voit presque pas, il n'y en a que pour Sushi. C'est pas grave, ça, c'est Sushi, le pub. En voyant ça, tout le monde va craquer. Tu vas les avoir dans la poche, mon Sushi. L'humanité tout entière, non, toutes les créatures de l'univers. Wow. La photo est réussie, Sushi, tu es très beau. Waf. Bah, si ça te va. Ah oui, pour vous remercier, le magasin nous offre les costumes. Je les ai ici, j'en fais quoi? C'est vrai, ils sont à nous. T'entends ça, Sushi? Tu vas pouvoir remettre ces beaux habits. La prochaine fois, on fera une séance photo en extérieur, tu verras. Ah oui, ils m'ont donné cette tenue pour toi aussi, Massi. Pour moi, vous êtes sûr? Mais oui, ils l'ont créée en pensant à toi, alors elle te revient qu'ils m'ont dit. Mais. On te dit que c'est pour toi, alors tu la prends. Alors la prochaine fois, Nina, c'est toi qui la porteras.
Et... Non, ils l'ont créé en pensant à toi, tu écoutes ou pas? Mais j'aimerais te voir en kimono, moi, Nina. Mais oui, si l'occasion se présente. Jamais de la vie, elle le fait. Et maintenant, au boulot, on bouge. Moi aussi, j'aimerais te voir en kimono. Vous me tapez sur le système à la fin, et puisque je te l'ai dit, j'arrête de m'appeler Nini. Ouais, c'est Nina, hein, c'est parce que. Je crois que ça n'existe pas en japonais le prénom Nina. Ils disent Nini. Je crois, hein. Je dis peut-être une bêtise. Voilà, bon, bah, trois petits épisodes. J'ai pas fait attention, il y avait un. Oui, c'était un con, c'est ça. Hop, on va le prendre. Mais bon, à mon avis, mince. À mon avis, c'est bon, on l'a. Et puis on va faire quelques tirages du coup. Ça a été relativement rapide. Non, c'est pas là que je voulais aller, c'était là. C'est l'habitude hein, de regarder ma quantité de. Ouais, c'est ça, je l'avais. Donc pas de soucis. Ouais, c'est parce que je regarde régulièrement mes matériaux, hein, pas, surtout là, parce que je faisais du farm. Bon, voilà, je me base surtout sur les cristaux moyens. J'ai 10 000 cristaux moyens de chaque, c'est suffisant. Parce que c'est souvent ce qui me manque. Après, voilà. Après, je surveille aussi, du coup, c'est les potions. Faudrait que je vois si je peux pas améliorer mon Urahara, d'ailleurs. Mon avis, Urahara, je peux l'améliorer. Bref. Ouais, à mon avis, je peux lui faire passer à 16-16-16. Bon, je vais le faire rapidement avec vous. Ah ouais, je peux même monter 17. Bon, on va monter celui-là niveau 16. Puis on va commencer à. À 18, ça passe pas. Ok, 17, 16, 16, pas mal. Pour être encore optimisé, hein, mais bon. Allez, je disais des tirages. Est-ce qu'on commencerait pas à parler tirage de con, tout bêtement? D'habitude, on finit par ça, mais là, je. Limite, j'aurais envie qu'on fasse ça rapidos. Ça va me permettre aussi de vider ma réserve. Ah ouais, je m'en doutais, tout rentre pas. Donc ça tombe très bien. Enfin, c'est pas là. Donc là maintenant, ce qui importe surtout, ce sont les potions. Donc ouais, j'ai une vingtaine de potions de chaque, quasiment. Parce que maintenant, les volontés du Hogyoku, honnêtement, c'est plus un problème. Pas regarder, mais voilà quoi. Ouais, ok, bon, c'est ouais, on va dire entre 15 et 30 à chaque fois qu'on tire dessus, mais. Et pareil, les potions, par contre, en multi, j'en ai pas dans les trucs. Hein. Bon. Hop. Non, c'est pas ce que je voulais. Cadeau. Voilà. Comme ça, au moins, je les ai. J'ai récupéré un max de trucs ici. Ok.
ça c'est surtout pour les potions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les loteries normales, mais on va commencer par les tickets. Quand tu veux. Alors, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 tickets 5 étoiles déjà. Donc là, ce qui est essentiel, c'est de savoir si ce sont des nouveaux 5 étoiles. C'est Ichigo, ça. Bon, Ichigo, on a toutes les versions. Honnêtement... Il y a trop de versions d'Ichigo. Ok, Oko. Ah, c'est... Ouais, c'est Stark. Mince, j'en avais plusieurs. Skoshi dake chikara o moratte iku yo. Michika... Bon. Excusez-moi, on va utiliser les deux d'un coup. Hein. Les deux qui restent d'un coup. Ok, donc Stark. On vient de le voir. Ok, encore Yumichika, mais une autre version. La version tag team. Ok, bon. On va faire les tirages de 4-5 étoiles. Non, malheureusement. Que des 4 étoiles. Allez, un 5 étoiles là. Non, bon. Décidément, ça veut pas, ça veut pas. Allez, dernier tirage, un 5 étoiles là, allez! Oui! Oh, c'est Jackie. Ah, c'est une version que j'avais pas de Jackie. D'accord. Bon bah c'est cool. On va faire aussi quelques tirages de Brave Souls du coup. On va faire les 3 tirages à fois 100. Oh! Ah, c'est Sun Sun. Ouais, c'est ça. J'ai reconnu la voix de Sun Sun. Gin. Revuka. Bon, malheureusement, c'était que des 5 étoiles que j'avais. Mais bon, c'est sympa. Ah, ouais, Ikaku. J'avais un doute entre Ikaku et... Komamura. Shinigami yo, namen janeze.
Toshiro. Siphon, la version tactile de Siphon. Alors, Ikaku, c'est une nouvelle version. Ah, Urahara, cette version-là, je l'avais jamais eue. Urahara, n'importe quoi. Ultura. Mais là, on a eu beaucoup de 5 étoiles, hein. C'était ouf. ケンテのは片手で振った。ああ、それ、それ、ザキ。両手で振った方が強いんだとよ。いつ以来だ、こんな高揚感は。もう、まあ、それ、これ、ザキ。最初から誰も天に立ってなどいない。君も、僕も、神すらも。アイゼン。挽回、神主の槍。 Ah d'accord, c'est une nouvelle version de Gin. Eh ben, c'est fructueux. C'est fructueux. Ah bah c'est cool. Bah c'est cool, je vais pouvoir fi de tout ce monde et puis les mettre en... En entraînement avec Urahara. Alors, dans l'ordre, je vois, on a Ultura. Bref, de toute façon, on va s'arrêter là-dessus. Hein. Après, ce nouveau système là de pour, on a toujours accès au Soul Tree, hein, ça c'est pas un souci. Mais c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Alors, par contre, ça c'est un petit peu chiant, c'est le système de dépassement de limite. Le fait qu'on puisse pas en mettre plus de 50, forcément, on est obligé de recommencer, quoi. Ça, c'est un petit peu chiant. Dépasser la limite, c'est vraiment histoire de quoi que non. En fait, je vais juste feed pour le moment. Je vais laisser comme ça et on feedera au fur et à mesure. Alors, ensuite, qui j'ai d'autre? Jackie. Bon, c'est chelou comment ça tremble. Ok. Bien, 50 orbes en plus.
Et pas Yumichika qui était... Non, non, on a les deux derniers, c'est Gin et Ikaku. C'est vrai que j'avais un nouveau Yumichika, non? Non, non, pas du tout. Bon, bah Gin alors. Ah, et... Non, non, Sunshine, je l'avais aussi en... Ah, les deux versions de Gin, elles se ressemblent beaucoup, hein, les deux que j'ai. De toute façon, il faut encore que j'en feed au moins un pour retourner en dessous de ma limite. Voilà, donc déjà j'ai ces persos là à augmenter. Pour le reste, je verrai plus tard. Ah, puis en plus, ils sont éveillables. Donc, on va commencer par Ikaku et Gin. Hop. Ok. Et puis bon, on va commencer à les... Je vais commencer à les up dès ce soir, de toute façon. De toute façon, c'est pas les soul tickets qui manquent, hein, pour les faire s'entraîner, donc il n'y a pas de souci. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. D'accord, ça a été suffisant, ok. Puis je vais déjà faire Jackie, même si elle n'est pas dans l'équipe maintenant, au moins ce sera fait. Voilà, et donc... Donc je sais qu'il y aura Jackie et... Et du coup, dans les 6 étoiles... Ah oui, il y a Ulquiorra aussi. Bon, je vais le faire aussi rapidement. Comme ça, au moins, je libère d'espace surtout pour les... Ah, d'accord. Je manque de feed. Ah ouais, ça y est, j'ai plus de feed.
Ça, c'est que des 5 étoiles, et les 5 étoiles, je les garde. Ok, donc Ultura, faudra encore que je le feed, donc il n'y a pas de souci. Bien, bah écoutez, Oduka, moi je vais continuer à faire monter ces personnages-là, hein, je joue un petit peu tous les soirs. Vous pouvez toujours m'ajouter en ami sur le jeu. Je vais vous remettre mon identifiant de joueur. Voilà, il y a encore quelques places, je vide régulièrement la liste, hein, je vire les inactifs, les gens qui sont inactifs plus d'une semaine, généralement je les vire. Bon, je surveille pas tout le temps, mais voilà, généralement j'essaye de garder quand même la liste avec un maximum d'actifs, bah justement pour avoir des points de con et pouvoir avoir des potions, parce que les farmer les potions c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, et je... Du coup, si vous voulez me rajouter dans la liste d'amis, ben, je reste encore un peu actif sur le jeu. Mine de rien, j'y suis quasiment tous les soirs. Même je crois pas que j'ai raté un soir depuis longtemps, donc voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine série, du coup, qui commence. En espérant qu'elle vous plaise. À bientôt.